Aujourd'hui, Sancho, nouvelle vidéo spéciale pack opening Total Rush jour numéro 2. Et aujourd'hui, les gars, ils nous ont sorti des packs à 110 000 crédits ou bien 1500 points FC. C'est un pack du coup qui inclut 20 éléments joie or de gène 82 ou plus, dont 5 avec un tir de 80 plus garanti. Les gars, on a quand même, les amis, à l'intérieur 9,7% de chance de packer du rush total. On va aussi également ouvrir des packs à 225 000 crédits aujourd'hui dans cette vidéo. Bref, on va vraiment se régaler, les amis. On va se faire un maximum de choses. Vous le savez, c'est le jour numéro 2, donc forcément, on va se régaler. On a même, j'ai des packs à 50 000, packs à 100 000, 84 x 3. N'oubliez pas en tout cas de poser un maximum de pouces bleus. Objectif aujourd'hui, les gars, de 1500 pouces bleus. Je vous remercie infiniment parce que tous les jours il y a au moins une vidéo en tendance sur les frérots. Merci pour votre soutien chaque jour. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. On vient toujours d'atteindre les 182 000 abonnés. Et maintenant, go rusher justement les 182 000 100 abonnés. Soyez bons. Et c'est le moment. Pack à 50 000 crédits. On commence directement avec ce pack là qui va peut-être être animé. Il est animé. C'est magnifique. MOC. Peut-être que là on va repartir avec Lavelle 87 de général. En tout cas, c'est bien parti pour. C'est NY, donc logiquement c'est Lavelle. Il y a même une double animation ce soir, les amis. On commence très très fort. Un pack à 50 000 crédits qui est doublement animé. C'est quand même plutôt pas mal. Ouais, on n'a pas de triple animation, il faut pas non plus abuser. Lavelle, Great Chaka pour un futur SBC, ça, ça va pouvoir clairement nous régaler. On va ouvrir maintenant le 84x3. Et ensuite après, j'aurai le pack à 5000 crédits. 84x3, malheureusement, il n'y aura pas de joueur Total Rush ni d'animation. Et on va partir avec Jack Grealish cette fois-ci. On va clairement skipper le pack parce que là, on part avec 3,84. Rafinha, ce qui coûte encore un peu. Ouh, on pack M Rafinha qui coûte quand même dans les 25 000 crédits. C'est quand même plutôt pas mal, Rafinha. On s'en sort très très bien, je trouve, en sachant que de base il y avait 3,84. Et maintenant, pack à 100 000 crédits, pas de Total Rush et une animation par contre. MC écossaise, ça va être Little. Little, et je sais pas pourquoi, mais moi je sens qu'il y aura une double animation dans ce pack là. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Et eh bien, j'ai tout simplement tort, les amis, magnifique. Little, Kim de son prénom, qui coûte 7900 crédits. Ouais, il coûte pas par contre extrêmement cher. Peut-être qu'après il y a des Ferlamendi ou je ne sais quel joueur qui se cache derrière, ce serait sympa. Malheureusement, non, Marco sur NT, ouais, je l'avais déjà. Ah, il y aura pas grand chose par contre, les gars, derrière. Derrière, les amis, ce sera assez dur, mais c'est pas grave. On va maintenant s'ouvrir les deux packs ici que l'on retrouve, les gars. Pack tir, du coup, début de saison de luxe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un 82 plus x 20. Il y a à l'intérieur 5 joueurs avec un tir de 80 plus garanti. On veut du très très lourd, on veut du Mbappé, du Cristiano Ronaldo. Il y a quand même des joueurs de Fumad à paquer dans cette promo spéciale Total Rush. Donc c'est clairement le moment de nous régaler. Regardez, les gars, les joueurs là, qui s'affichent avec Mbappé, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Lauren James, etc., etc. Bref, on a de quoi du coup se faire plaisir. Et c'est parti, les amis, pour ce premier pack qui est totalement ouvert. Allez, s'il vous plaît, Yesport, pas de Total Rush malheureusement. Une animation tout de même, c'est déjà ça. DC française, je pense. Arkema Premier League, Wendy, Renard 88. Et même peut-être une double animation, j'espère. Ce serait quand même. Ouh, Neymar! Da Silva Santo Junior Neymar qui tombe, c'est quand même pas mal. Honnêtement, même si c'est pas le Neymar de l'époque, 40 000 crédits, mais lui, peut-être qu'en tant que super sub, ou peut-être même dans mon équipe, peut-être qu'il pourra rentrer Neymar. Donc je prends, je suis plutôt content. Et peut-être même qu'il y a autre chose. Carvajal joue au Cancelo. On a même une quadruple animation dans ce pack-là. Le pack 82x20 qui a l'air d'être vraiment, vraiment sympathique en vrai de vrai ce soir. Donc ça, on va envoyer directement dans le club. Et maintenant, les amis, l'autre pack 82x20. Le premier était plutôt sympa. C'est pas le meilleur, mais peut-être que là, dans pas Total Rush toujours. Et l'animation, par contre, ça c'est déjà bien. Gardien, brésilien. Je sais pas pourquoi, pour moi, je crois, les gars, c'est Ederson. Il me semble avoir reconnu Ederson directement dans le tunnel. Et ça va être Ederson. C'est un peu tristonné. J'aurais préféré Alisson, je vous avouerai. Victor Osimhen, par contre, les doubles animations tombent vraiment très très facilement dans ce pack là. Victor Osimhen, Ederson. Victor Osimhen, il coûte combien maintenant? Je crois que c'est à 10 000, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, 12 500 crédits. Ça coûte vraiment pas extrêmement cher. Malheureusement, on a une quadruple animation du coup. On a quand même deux gardiens dans ce pack. C'est quand même dur. Ederson, Summer Show et Victor Osimhen. Van de Ven, très très bon. Pack Team of the Week cette fois-ci. Pas d'animation. MDC, Croate, Mateo Kovacic. Ouais, bon. Après, c'est toujours quand même intéressant de le faire chaque jour parce qu'on sait jamais. Peut-être que tu pourras partir avec une big big win en vrai. Si tu repars avec Vinicius dedans, c'est quand même une dinguerie. Puis après, même au pire des cas, ça te permet toujours de récupérer des boosts pour deux futurs SBC. Zvava, c'est simple. C'est l'un des Total Rush qui tombe le plus. C'est abusé. David Raya, Ferlomendi, Gabriel, William, Saliba, Carval, Kefren Thuram, Nico Williams, Guti, Jokol, Marcus Thuram et Berbatov. T'as déjà pas mal d'héros. Hein. Heureusement que là, tu vas pas ouvrir un pack spécial héros parce que sinon, ça va être compliqué. À mon avis, tu vas repartir avec des doublons, mon frérot. Pack 82x10. Lui aussi, les gars, il veut tenter tout ça. Il a mis du coup 15 euros, les amis, pour ouvrir ce pack là. C'est parti, il est ouvert. A deux cartes Total Rush, c'est compliqué. Même si il y a l'anime qui est là, gardien, Suisse, Bundesliga, Gregor Kobel 88. À mon avis, il y a quand même une double animation minimum dans ce pack là. Quand tu vois que c'est 88 de gêne, et il y a même une double animation Ilkay Gundogan, un ancien joueur du Borussia Dortmund, lui justement. On pack un joueur actuel du B4B.
Et un ancien joueur du Before Me, justement. Ça qui est beau. Grégor Kobel, Gundogan. Avec Rodrigo. C'est pas mal ça, par contre. Rodrigo, ça coûte quand même 80 et quelques mille crédits. C'est quand même pas mal. Après, sinon, t'as Luka Modric. T'as le bon vieux Udogi aussi également qui est là. Et sinon, après, ouais, t'as quand même pas mal de doublons. Pas mal de doublons. T'en as 10. Sauf que. Ça va, t'en as qui sont vendables, heureusement. Pas qu'à 110 000 crédits sur ce compte. Le partage d'écran, il bête quand même pas mal. J'espère que ça va tenir, frérot. Parce que pour l'instant, il est un peu en PLS. Allez, c'est bon. Oh, Total Rush, les gars. Total Rush dans le pack. MC, Espagnol. Oh, ça va être Terry Abeleira. Du coup, elle s'appelle. Mais elle tombe tout le temps, elle. C'est n'importe quoi, par contre. Et je pense même qu'il y aura un double Total Rush, non? Ah non, régulier. Régulier, je me suis un peu trop emballé. Mid, bon, de toute façon, même s'il y avait été du double rush, vaut mieux avoir mid en soi que paquet Juranovic. Terry Abeleira avec mid 88. Et derrière, ouais, c'est pas foufou, hein. Derrière, les gars, pour un pack à 110 000 crédits, comment vous dire que c'est pas une victoire, malheureusement. Pour petit budget, il faut que tu fasses Kefred. Hein. Avec les doublons et tout que tu auras, CZ, fais-le. Vraiment, tu seras pas déçu, frérot. Il est assez lourd, certes, sur le terrain. Mais après, tu vas voir, il est tellement, tellement fort. Oh, il est d'anime. BU. Français. Roche de Sodic. Oh, c'est Benzema. Il a une carte spéciale dans Benzema. Il a une carte boost, je crois. Oh, c'est ça, Benzema boost. 87, il vaut 25 000. Il coûte que dalle, par contre. C'est plus le Benzema de l'époque. Hein. C'est sûr. Pack à 85K, les amis. Comment t'as vite? Il faut que tu fasses point exclamation PSN, mon frérot. Pas de total rush dans le pack à 85K. M aussi. Oh, Lavel. C'est terrible. Parce que surtout que là, t'as des crédits à prendre. Parce qu'au moins, t'as une double animation, je te le souhaite. Et t'as pas de double animation. Ton pack, il est pas bossé dedans. C'est dur. Oh, je vais pas le tester, moi, les gars, pas le gars. Il a une très belle carte. Pour ceux qui veulent notamment avoir un MOC de Premier League. Bah après moi c'est pas SBC que je vais faire personnellement. Tu vois, mais je joue pas avec un 10. Faut jouer avec un 10 quoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens mettent Cole Palmer. Parce que beaucoup de gens le remplacent à la place de Bruno Fernandes. Oh, t'as pris deux fois Aspie, quoi. Bon au moins t'en auras des contrats avec Aspie. Lucas les amis, qui va ouvrir ce pack à 225 000 crédits. Il est totalement ouvert les gars, le pack à 225K. Et il y aura du boost. Du boost animation forcément. MC, États-Unis. Oran, pour l'instant les gars qui vient de tomber. C'est pas mal mais c'est vrai qu'on aimerait bien paquer du très lourd derrière. Ouh, du total rush. Terry Abeleira. Le taux drop au niveau de total rush les gars, ça va, il est plutôt pas mal. Après c'est vrai que c'est toujours les mêmes en fait qui tombent. C'est pas les meilleurs joueurs qui tombent, loin de là. Handler, pas genre, t'as quand même eu 2, 3, 4, 5 animations. 5 animations dans ton pack, c'est quand même sympa. Petit Walker, pense, ça aurait été plutôt cool, mais on a pas eu Walker. Après, Walker, il a combien de gènes? Il a 83 ou 84? 84. 84, donc ouais, il aurait été pas calme. Deux packs à 110 000, deux packs du coup, 82 x 20 sur ce compte, les amis. C'est parti pour le premier, on veut du total rush. Il y aura pas de total rush, malheureusement. Mais buteuse, ah, ça va être Ewa, Eva, ça dépend comment vous le dites. EWA, pas genre. 87, elle a de gènes. Avec Rolfo, c'est un pack avec que des Barcelonaises. Rolfo, elle vaut pas très très cher cette année. C'est vrai qu'il y a pas une hype de fou en vrai sur elle. Hein. L'année dernière, il y avait une hype de fou malade sur Rolfo. Mais cette année, pas tant que ça en soi. Ensuite, ouais, il y a que deux animations, là, tu vas me dire. Que deux animations dans ton pack. Hein. Il est pas beau. Hein. Il est pas beau du tout ton pack. Malheureusement, là, ils t'ont pas respecté. Demain matin, live pour les récompenses. Clash équipe, les amis. Le deuxième pack à 110 000. Et toujours pas de total rush, ni d'animation d'ailleurs. Oh, c'est terrible. Milieu droit française. D'Arkiva Premier League, je crois que c'est Mathéo ça. Mathéo 85, c'est terrible. Un pack à 15€ où tu repars même pas avec la moindre animation. Comment vous dire que là il s'est fait totalement allumer les gars. Peut-être que derrière il y aura un Ferland Mendy, on sait pas. Ou peut-être un joueur, je sais pas, sympa. Ah non, rien du tout, un Gakpo, ouais. Il y a que dalle. Un pack à 15€ pour ça, c'est horrible. De Jong trop fort. Bon, les amis, il va dépenser les crédits. Pack à 85 000 et pack à 225 000, Daniel. Hein. Ah, bah ça c'est. Non, et mais évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, les amis, ne dépensez pas vos crédits dans la boutique. Regardez, il n'y a même pas de rush, rien du tout, c'est nul. Si. Oui, il y a quand même une animation. Léa Schuller. Pop. Non, Schuller. Non, parce que Pop, elle est boost, tu peux pas la paquer. Oui. Exactement, c'est vrai, Pop, elle est boost. Évidemment, j'ai suivi. Schuller 86. Ouais, Schuller 86. N'oubliez pas d'ailleurs, les gars, de poser avec de vous abonner et de partager avec si la vidéo. Là, Daniel, il a déjà compris. Voilà. TikTok. Par contre, c'est honteux que dans les joueurs prix, tu donnes même pas un truc bien à chaque fois. C'est toujours les mêmes aussi. Hein. Pack à 225 000 crédits, les gars, c'est parti, c'est ouvert. Avec les crédits. Aïe, aïe, aïe. Oh oui. MC Espagnol. C'est la meuf espagnole. Comment ça, c'est la meuf? Qu'est-ce que je raconte lui? C'est la meuf espagnole là. Il a dit, c'est la meuf. Ah, la meuf, ok. J'ai cru R9. T'as compris quoi toi? J'ai entendu R9. Oh, ben. Ah, bah, non, pas encore. Quand même pas R9, c'est que pour moi, les amis. Terry Abeleira, du coup, les gars. Total Rush avec Bernardo Silva. Et attention, peut-être que derrière il y a encore des choses sympathiques, on sait pas. Victor. Oh, Dembélé.
Ousmane Dembélé aussi également. Cold Palmer, les gars, c'est pas Cold mais Cold. Et sinon, y a rien derrière. Mais il y a eu quand même du Total Rush. C'est déjà très sympathique. Après, est-ce que t'es remboursé? En vrai, pas du tout. Récompense Division 3, les gars. Récompense Division 3. Il a envie d'ouvrir tout ça ce soir. Et déjà, tu repartis avec Rayton ou bien Mid. Je pense que Rayton doit coûter quand même plus cher, non? Rayton, elle coûte 18 000. Et Mid, elle vaut 17 000. Ouais. Bon, ça se joue pas de fou malade. Mais il y a quand même une petite différence. 750 crédits entre les deux. Declan Rice, je sais que les gars, Mikel Merino il peut partir à 28 000 crédits, mais c'est juste parce que sa fourchette de prix est buggée. Donc en soi, après, je peux toujours prendre Mikel Merino. Tu veux Mikel Merino ou pas, frérot? Je suis peut-être qu'à tout moment, peut-être que tu voulais Mikel Merino. Et qu'il est 85 de jeune, hein. Il avait pas mis d'upgrade depuis très longtemps, il me semble. Et là, le fait qu'il est signé en première ligue, plus ça au niveau du jeune. De toute façon, c'est toujours ça, hein. Quand tu signes après en première ligue, en régional, il te régale toujours en termes de jeune. Esther 84, t'as un pack méga, pack à 35 000. Est-ce qu'on va réussir, les gars, à packer du RTDK sur son compte? Gardien portugais. Diogo Costa, logiquement. C'est bien ça. Il y a Trippier aussi également. Ah, Leipzig, ça peut coûter. Leverkusen aussi. Tout ça, par contre. Carton rouge pour l'Italie. Anime ou pas? Pas d'animation dans un 75 plus x 15. C'est compliqué. Ça va être Duvan Zapata qui est blessé d'ailleurs, lui. Hein, je crois. Je crois qu'il est blessé si je ne m'abuse. Donc, jure, ouais, les gars, pour l'Italie. Oh, RTTK! RTTK, MDC. Et ce sera Jordan Anderson, ouais. Ouais, RTTK c'est quand même pas fameux en réalité, hein. 10 500 crédits, pas de double animation parce que forcément en plus ça lui il est pas anime. Tes récompenses rival c'est vraiment un 1 sur 10, hein. Vraiment 1 c'est pour la participation, sinon les récompenses sont terribles. Moi je pense à Dapa, je vais garder des points. Ah mais quoique les gars, il vaut rien pas qu'il a de 20 les amis. 83 x 5, il a quand même une anime, MC française, c'est Gaïro. Tu as testé toi Gaïro cette année ou pas Thibaut? Ouais du tout. Gaïro normalement c'est quand même pas dégueu logiquement. In-game 86. Non, mais elle est quasiment good gang, hein. Là. Franchement, elle a une belle carte. Je me rappelle l'année dernière, elle avait une carte centurion, elle était au taquet forte. Ils ont fait no buy. Bah ouais. D'ailleurs, les packs pour vous ou pas, CZ? À la limite, moi je te conseille peut-être des packs pour vous. Un pack qui est vendable si jamais t'avais de récupérer des crédits ou quoi. Ah non, tu les as pas ouvert, pack for you. Là, tu vois, t'as le pack à 10 crédits déjà. Pack à 10 crédits peut être sympa, après ça, ce pack là. Qui est vendable, t'as 1,86 plus à l'intérieur. Pour moi, ce pack là est beaucoup mieux que le pack que t'as ouvert tout à l'heure, puisque t'as 1,86 ou plus. En plus de ça, c'est vendable. Donc forcément, c'est pas mal. Ouais, animation dans le pack à 10 crédits, MG. C'est pas dur, c'est Grimaldo. Déjà d'avoir une animation dans un pack à 10 crédits, c'est un miracle. Vraiment. Allez, Rondro. Merci pour Cole Palmer, please. Quand vous savez pas, les gars, quel style mettre à un joueur, vous pouvez aller sur Fudbin. Sur Fudbin, vous avez tout ça. Et sinon, sur Fudbin, ils te disent de lui mettre chasseur. Mais il faudra vraiment pas que t'oublies, par exemple, de faire Kefren Chua, mais c'est dedans. Soit bon, soit. Ouais, t'as ton pack à prévisualiser que t'avais pas encore vu. Oh, du boost dans le pack prévisualisable, incroyable. BU. C'est Retegi. Dans un pack prévisualisable, au moins t'es remboursé. Il va te coûter 7500 crédits, tu repars avec un joueur qui vaut 11 000. Donc t'es en BNF. BNF fils max les amis. Ouais, il vaut 11k. Si tu veux le lister après. Il manque pas d'agilité Cole Palmer si je pense un peu. Il doit être un peu lourd Cole Palmer. Une super belle carte, après ça dépend. J'espère juste qu'il aura par contre un playstyle plus. Parce que s'il n'a pas le playstyle plus, ça peut être compliqué. Pack à 60 000 crédits. Pas de carte du nouvel événement. DC néerlandais de première ligue, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, mon frérot. Magnifique. Oh là 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 là, vendable en plus, les gars. Je l'ai conseillé de l'ouvrir et voilà, les frérots, ça paye. Incroyable. Van Dijk vendable dans le pack pour vous à 60 000 crédits. Van Dijk qui en plus ça était RTTK, il était plus packable derrière moi. 370 000 crédits. Incroyable, CZGG ça, frérot. Magnifique. Moi, ça a payé. En vrai, c'est mérité. Hein. C'est mérité. Vu les packs qu'il ouvre à chaque fois. Ah, mais les gars, il continue de rire. Il ne s'arrête plus, les amis, cet homme. C'est trop. Gardien, Yann Sommer. Yann Sommer, oui, je suis un peu compliqué, lol. J'ai pas compris pour t'inviter. Il faut que tu fasses point exclamation PA. T'as toutes les explications après nécessaires pour savoir comment lancer un joueur partage. Double anime. Ah, il a bien fait, les gars. Il a bien fait parce que c'est quand même une double animation. Il a même skippé la double anime tellement qu'il est dans. T'as rien à cirer. C'est dingue. Oh, De Jong en prime. Frankie Dong, tu penses que tu vas être en BNF sur Frankie Dong, Thibaut? Il est fourchette max encore, donc je sais pas. On verra, j'espère. Hein. T'as hâte de voir quoi. Est-ce qu'il y a une anime? Non, il y a pas d'animation dessus là par contre. C'est dur. Oh, surtout, t'as eu 4,83 et 1,84. Spiliqueta, t'allais l'avoir pendant 46 milliards de matchs avant, c'est drôle. Semaine dernière, j'ai eu Pirlo dans la prévisualisation. Mon compte est béni, j'y croyais pas. Eh bien, incroyable. Pirlo, il coûte cher ou pas du tout? Mid. Après, ouais, il faut qu'on termine le Fut Champions de Daniel. C'est moi les gars qui lui fait ce week-end. Mid. Pas de double anime par contre cette fois-ci. Ce qui est bien, c'est que par contre, toi, ça va pouvoir vraiment te fortifier ton club. 450 000 crédits d'ailleurs, Andrea Pirlo, je ne vois. Mais fais Kefren Thuram après, CZ, vraiment. Tu vas pas regretter. Tu as fait toi Kefren Thuram, Thibaut? Oh bah c'est gratuit. Oh, je l'ai fait.
T'aimes bien Rue? J'ai pas testé encore. Bon, il aura tout ouvert les gars. Il a ouvert tous les packs à 500 points FC. Et le dernier qui ne sera pas incroyable malheureusement puisque ça va être... En vrai, attends les gros packs de la boutique qui vont sortir dans ces zones. Tu l'as frérot, tu ouvres des packs en vrai ils sont pas... Invendable la boutique surtout, hein. C'est pour ça qu'ils vont. Oui non mais tu sais que lui il devrait quand même demain, t'inquiète pas frérot. Ah CZ, toi tu le connais pas toi Thibaut, mais CZ demain il va redégainer les gros packs de la boutique de sûr. Quoi j'ai pas la rubik pack pour vous. Parce que je crois qu'il faut que t'aies joué avant une certaine période. Ronman, putain écoute 7000 la clé en régulant. Après qui a fait Alex Morgan? Je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça en soi qui ait fait Alex Morgan. Il y en a mais je pense que c'est vraiment une infime partie de la communauté en réalité. Moi ouais, je l'ai fait. Sur ton clavier frérot. Tu fais point d'exclamation et ensuite après la commande. Tout simplement. Deux coups ça coûte ça, ça coûte 9000 et quelques je crois. Ouais écoute un peu. Bon t'as eu Koundé, Jules Koundé, il coûte combien Koundé cette année? Oh plus de 100 000 crédits, je l'avais pas vu au tout début. Ah ouais 130 000 crédits, propre en vrai. N'hésitez pas ouais, les gars à faire le mode roche hein. En vrai c'est que c'est régalé quand même parce que Vandek vendable, Koundé vendable. Là ouais tu vas passer peut-être pas à la barre des 2 millions mais tu seras pas très très loin je pense hein. Je t'ai quand même fait pas mal de crédits en soi CZ. Mike Olis, bon après là t'as pas grand chose. 84 x 5, allez Nanim là, oui du total rush, let's go allez. On veut jouer Lourie Sport, Dédé, ah là là, encore toi, encore toi, encore toi, encore toi, c'est trop lui. Lui, vraiment, le pack, toutes les 5 secondes, les gars, c'est trop. Quand on voit du Total Rush, on est content, mais à chaque fois, c'est toi, la Juranovic. C'est trop, les gars, on a marre de le voir, le bon vieux Juranovic, il n'y a que lui. Les amis, deuxième Future Open de la journée, les gars, terminé. Sur le compte à Daniel, en vrai, qui avait pas non plus une équipe de fou malade. Par contre, c'est un pack héros, ouais, base solo, 87 max, malheureusement. Mais ça va en vrai de vrai, ça va, ça va. On va voir un peu les gars, ça va payer ou pas du tout du coup. C'est parti les amis, on va aller s'ouvrir un maximum de packs. Alors, 87 ou plus, c'est parti, c'est ouvert. Une animation du coup régulière, logique gardien, Emiliano Martinez. Oh. Bon, déjà Emiliano Martinez, c'est pas beau hein. C'est pas beau, c'est pas beau, il l'avait déjà. Bon allez, pack élément joueur, team of the avec les gars dans ses récompenses. Pas d'animation, on skip direct les amis. On va partir avec Kevin Vogt du coup les gars dans ses récompenses Futurp. Ensuite après il a un pack 80 plus x 15. Pas de joueur total rush, pas d'animation non plus, on skip. Bon, les gars pour l'instant les récompenses Futurp ça donne pas trop envie. Hein. Pour l'instant elles sont vraiment mais vraiment pas fameuses en soi. Tous les 82 on va discard, je lui garde juste le reste. En vrai j'aurais pu garder tu me diras mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite 82 x 10, il y a du boost avec une animation, let's go. MD anglais Bukayo Saka, ça coûte des crédits ça les mecs. Bukayo Saka boost, c'est plutôt pas mal, peut-être même qu'il aura une double anime. Il vaut 81 000 crédits, donc là il récupère 80k en plus sur son compte, ça va, c'est pas mal. Après derrière peut-être qu'il y a un joueur, Araujo, Ronaldo Araujo, 100 000 crédits. Ah les gars il aura quand même récupéré en soi Inaki Wems, il coûte que dalle non. Il aura quand même récupéré 200 000 en plus, il a Inaki Wems aussi à vendre. Ça va, il est bien les mecs, il vit. Et ensuite maintenant pack hero de base, 87 max du coup. Il y a quand même une animation MC espagnol Guti. Guti ouais qui est tombé. Moi je trouve que ces récompenses elles ont pas été si mauvaises que ça. C'est pas les meilleures mais ce n'est pas non plus les pires en sachant que de base c'est du rang 5. Avec l'équipe qu'il a il va déjà pouvoir step up pas mal de choses. Guti peut-être qu'il pourra le jouer lui même par rapport à sa team.